Yo les potes, c'est NSQ, nouvelle vidéo, ça va être un petit tuto. Je sais pas si beaucoup de gens jouent à Fall Guys sur PC. En tout cas, faut savoir que quand vous jouez PC ou même console, mais clavier souris, quand vous êtes en partie, après la première game, vous avez le pointeur de souris et ça saoule genre. Je sais pas si vous avez ce problème, mais si vous avez regardé la vidéo, c'est parce que vous avez le problème. Donc en gros, pour toutes les personnes qui jouent manette, normalement vous n'avez pas de pointeur de souris. Mais pour tous ceux qui jouent clavier souris, la première partie, quand vous lancez votre jeu, vous n'avez pas le pointeur, donc c'est parfait. Et après toutes les autres parties, vous avez le pointeur de souris. Et genre, ça saoule. Même si vous cliquez sur l'écran et tout, le pointeur de souris ne s'enlève pas. Et il est sur l'écran. Je vais lancer une partie et je vais vous montrer comment faire. Donc, au lieu de relancer votre jeu toutes les parties et c'est un peu long, je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. C'est juste un peu chiant, mais c'est assez simple. Pendant que le mini-jeu se lance, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je fais plein de vidéos tuto ou des vidéos boutique Fall Guys ou même des vidéos sur Fortnite. On rush les 4000 abonnés et puis après on rushera les 5000. Et je vous ferai gagner des comptes Fortnite pour ceux qui sont intéressés. Avec des comptes saison 2, de chapitre 1. Bref. Allez, allez, ça se lance. C'est un petit peu long en attendant. Je sais pas de quoi on peut parler en attendant, mais bon. On va juste patienter. Au pire, n'hésitez pas à avancer un petit peu. Ah voilà, ok. Hop, déjà. Déjà les balançoires, on est d'accord, c'est le pire mode. Si t'es pas tout devant, c'est le pire mode. Bon, ça se dépêche. Là, il y a encore le pointeur, mais c'est normal. Le jeu, il a pas commencé. Genre, vous le voyez bien, il est sur mon écran. Hop. Attention. Voilà. Et là, regardez, vous allez voir. Attention. Et voilà, regardez, il y a le pointeur sur l'écran, genre. Et genre, ça gêne plein de monde. Donc, la solution, c'est très simple. Ou de faire option et vous appuyez sur reprendre et là vous voyez il a disparu. Donc toutes les games vous faites option reprendre et voilà. Et après d'ailleurs c'est juste la première manche. C'est juste sur la première manche vous faites ça. Et puis voilà. Après la deuxième manche, la troisième manche, la quatrième manche et la finale, il n'y a plus le pointeur. C'est juste la première manche, vous devez tout le temps faire ça. Et d'ailleurs ça vous fera pas perdre de temps parce que les gens sont nuls, regardez. Là si je pars maintenant, regardez, je vais encore être qualifié alors que les gens sont déjà loin. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez d'autres questions ou des choses que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à me dire. Je ferai peut-être des vidéos où je vous répondrai à vos commentaires. Ciao les potes, n'oubliez pas aussi sur la boutique Fortnite, code créateur NSQ. Ciao!